me traitez de voleur et maintenant vous me suivez comme un bandit? Non, pas du tout. On avait décidé de venir ici. C'est vrai, c'est une coïncidence. Ah oui, et c'est aussi une coïncidence si mon cristal était suspendu à son cou. Vous me traitez de menteur encore une fois? Il faut dire que vous me facilitez la tâche. Écoutez les amis, cette situation est le fruit d'un malentendu. Réglons ça une fois pour toutes, d'accord? Pour ça, il faudrait que le roi des elfes ait le courage de me faire des excuses. Il faut l'aider, le pauvre. Oui, bien sûr qu'il faut l'aider. Qui est là? C'est moi, celui que vous avez traité de voleur. Majesté, tenez bon, je vais vous tirer de là. Comment? Vous osez poser les mains sur mes sabots royaumes? Lâchez-moi, maudit elfe! Du calme, votre majesté. J'appartiens à la royauté, moi aussi. Je vous ai demandé de me lâcher. Au secours! Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, je vais y aller. Il faut juste que je trouve un passage assez large. Ah! Où est passé ce vieux bougon? C'est pas vrai! Vous me suivez partout! Je peux repartir si vous voulez. Rentrez votre ventre. Non, ce n'est pas mon ventre. C'est le trou qui est trop étroit. D'accord. J'essaye de vous tirer. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Sauvons-nous. Chao, on doit trouver une autre entrée. Il nous demande de nous fier à son instinct. Tout ça, c'est à cause de vous, ô roi des elfes tout-puissant.